Hi everyone, welcome back to my channel. So here we are, the new item for the next season for winter appear on the Longchamp website. So let's have a little sneak peek about the first part, because as you may understand, Longchamp just presents some items and more are coming in the coming weeks. Hope guys you are doing well. If you like this type of video, do not forget to subscribe to my channel. It's free and it really helps me. So let's go. I'm actually on the Longchamp website, as you can tell, and you remember in one of my previous video I give you the trick to just here in the search section to write the word new and to click, and then you have all the new items. It gives you more time. It's really practical. So what can we see at first? We can see hobo bag from the extra line in the new color. So a new pink, which look like a bubble pink to be honest, but it's really cute. Then we have a white and we have a new color, which is called wheat. We have then the handbag L. And then we have, of course, the XS version in the three color. We also have the S handbag and we have the vanity as well as the crossbody. I have to say the colors are really, really cute. Then, as you can see, a new type appear concerning Pliage Extra, the handbag XS. So let's have a closer look at this one. Wow, it's really cute. It's really cute. So you've got the horse and the cavalier. Let's say it in French. I don't think it is embroidered. No, I just think it is painted. I have to make this confirm, or it is maybe stamped on the leather. We have gold hardware and we have a really nice strap, which is, yes, you can see. I think it's also painted this time, and the color is the new color mahogany. Yes, I have to say it's cute. It's a nice bag. Just the price is a little bit high for me. Here you can see US$505. Yes, it's cute, but yes, this time the price begins to be really high. And then let's go back. So this is the XS version. They have also done an S version. Let's have a closer look. Yeah, we cannot say it's not cute. It's cute for sure, and I think the pink matches really well the mahogany color. Yes, I just have a doubt concerning the price. Just this, but it's really cute. So let's go back. Then Pliage Energy, a new color appear, white. I have to say white is cool. It's really nice with a touch of black. Sorry, really lovely. Yeah, it's nice. It's new. It's nice. Yes. Then a new color concerning the mesh bag in L size and XS, which is a nice pink, nice soft pink. And then panier pliage. Yes, these are the one I spotted weeks before. XS basket. So now they have included an XS size. I need to check with my XS from last year from Paris Saint-Tropez line. So only two color combination at this time, an all brown version, as we can tell. And this time we have the pink with white horse and the navy strap. Let's open it. Yes. Yes, it's navy. Yeah, we cannot say it's not cute. It's really cute. I just wished the strap would be pink too, because as you can tell, we are four color. Do you follow me? We have white, we have natural, we have gold, no, even more color. We have gold, we have pink, we have navy. It's a little bit too much, but it's cute. I'm really
I'm really excited to see the new colors. I know there will be a lilac, there will be a green. Let's see the future. Concerning Pliage City, we have a new color. Let's have a look. It's a little, it looks like it's a bit shimmery, and the English name is Buff. Yeah, it's cool. It's really a cute color, I have to say. Okay, let's go back here. No, really nice. Then, Épure, in the Épure line, oh, new thing. So let's start with a new color, a really nice pink, really gorgeous for the bucket. And let's see the very new style, the crossbody bag XS that I have already spotted in the pics concerning the fall winter collection. So is the Épure bag XS size. Yes, okay. And this time they put, do you see, they put D-ring and you've got an included strap. Well, I have to say the idea is cute, but look at the, yes, can I make it? Oh, no, not really cool. The bottom is, yeah, the bottom, it's make me think of Häagen-Dazs. Yes, I don't know if people know Häagen-Dazs ice cream, but the bottom looks like this. It's my opinion. If you like it, no worry. Then we also have a bucket bag. And, oh, well, it's really structured. It's really, really structured. I have to say it's cute, but let me tell you the truth, what I'm thinking. I do not see myself wearing such a bag. But I see it, for example, in my living room with some flowers inside. Something to decorate, you know? But not using it. It's too structured. But yes, why not? Why not? So this is a new one. Okay, so we also have Mahogany. I think it's the name color from for the Boxtrot M and XS. And we have a new style of XS bag in canvas and leather with a new strap. Yeah. If you love canvas and you love B material bag, yes, I think this one is really cute. I do presume they will make other color combination, but let's say it's nice. It's really nice. I do love the strap. I really do love the strap. And so let's go on what we have. Okay, a new pink color for the Roseau collection. It's a nice pink, and of course we got a matching strap. I do love a new strap they are producing with Roseau bag. Really nice. Okay, for the clutch. See more product. And then we have in the Pliage green. And they propose a pink and a nice blue. Really nice blue. So let's have a look. How do they call it? Oh, pink. Just pink. And the blue, how they call it? Sky blue. I think the name is okay. It's a really nice blue. Yes, really nice colors. Really nice pink and blue. Oh, back to Pliage Extra. Ooh, Obo Bag S. Only in two colorway at the moment. Orange and wheat. Oh, that's interesting. That's really, really interesting. I think I will dedicate just one video for this bag. We need to talk about it. We really, really need to talk about it. Yes, there's a bunch to say. Okay, and then we have a new style of backpack, Steel Pliage Extra. Two colorway at the moment, white and wheat. Yeah, it's quite nice. And the dimension, 8.7, 10.6, 3.9. Yeah, okay, it's not a tiny backpack, but it's not a too large backpack. It's okay, it's a normal size. Okay, and then we are back. Okay, the document folder in the tunic color for the Pliage green and the white for the Pliage energy in camera bag and belt bag. Okay, so guys, as I said, this is a sneak peek of the very first item Longchamp will propose for the next season, fall winter 23. What do you think about them? Please don't hesitate to leave a comment. If you like this video, also give a thumbs up and do not hesitate to subscribe to my channel if you like video like this.
Concerning myself, I do think the colors are really nice. It's really nice color. I love the wheat and pink, really cute. It's also nice to see white. And let's see what's coming in the future because I know more model, size model, bag model will appear as well as new color combination. I'm excited. I'm really excited. Thanks for watching. Have a great day. Take care. And now the French version. Bonjour les amis. Alors, je vais me placer sur le site longchamp.fr. Voilà. Car, comme je le dis dans la version anglaise, les premiers produits de la gamme, la nouvelle saison, pardon, automne-hiver arrivent. Et là, voilà, nous les avons. Donc, que voyons-nous? Ben déjà, nous voyons les nouvelles couleurs. Il va y avoir donc un rose. Alors, à voir si c'est. Parce que moi, ça me fait penser au rose bubblegum hein, qui est sorti il y a déjà quelques années, mais je pense que lui est un peu plus foncé. Mais c'est un très beau rose. Pour la gamme Pliage Extra, on a un blanc, on a la nouvelle couleur blé, qui est un jaune assez doux. Pas pâle pâle, hein, mais bien. Jaune doux, voilà, comme les blés, hein, ça porte bien son nom. Donc voilà, pour le porte-épaule M, le sac à main L, le pliage XS et le sac à main S, le vanity, le sac bandoulière n'y échappe pas non plus. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles couleurs. Ensuite, nous passons, voilà, un tout nouveau sac, le pliage extra sac à main XS, avec le nouveau coloris acajou qui est plutôt pas mal. C'est une belle couleur. Alors, le design est beau. Non, on va pas se mentir, c'est un très beau sac. Je ne pense pas que le logo ici soit brodé. Je pense qu'il est soit vraiment, il a été fait à chaud ou alors c'est juste un dessin peint à voir, à confirmer. Là, sur la photo, je peux pas trop le dire. Une nouvelle bandoulière qui est plutôt jolie hein, avec cette touche de rose. Non, c'est un sac mignon, sympathique. Moi, il y a juste le prix qui me fait grincer les dents. Hein. On est à 420 euros pour un sac à main XS. Alors, même si vous savez, le XS contient pas mal de choses. Hein. Regardez, on le voit sur la silhouette du mannequin. Il n'en reste que 420 euros pour un petit sac. Ça reste élevé. Pour mémoire, hein, pour ceux qui se rappellent, les tout premiers XS étaient à encore 290 il n'y a pas longtemps, même moins encore les années précédentes. Donc, voilà, ça commence à faire au niveau du prix. Ensuite, donc, ils ont fait une version S, qui est aussi très jolie. Hein, puis, c'est des sacs pratiques. Voilà, il y a juste, voilà, moi, il y a juste la question du prix encore qui revient. Je trouve que, voilà, ça commence à faire. Enfin, je veux dire, voilà, ce sont plutôt maintenant des sacs à réfléchir, pas acheter de suite, mais voilà, à profiter s'ils sont encore disponibles pendant les soldes. Je le dis honnêtement. Le pliage énergie sera doté d'une nouvelle couleur blanche et c'est plutôt joli. Alors moi, je ne suis pas une fan de l'énergie, hein, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, à cause de la bandoulière. Néanmoins, cette combinaison blanche-noire, ben, ça marche. C'est plutôt très joli. Après, ça sera un sac salissant, mais bon, ça, les sacs se lavent. Hein. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, donc allez voir, je vous montrerai. Mais non, c'est plutôt pas mal. Le pliage filet possède aussi une nouvelle couleur, un joli rose. Pareil, je ne suis pas fan du filet. En plus, voilà, vous voyez, hein, les prix augmentent. Hein, Longchamp maintenant augmente ses prix de 10 à 20 euros voilà, par saison. Donc là, le pliage filet a encore augmenté. Ensuite, nous avons, voilà, le panier pliage XS. Voilà, Longchamp vient avec un XS, comme l'an dernier pour le Paris Saint-Tropez. Là, on a deux combinaisons de couleurs. On a tout un marron ou un tricolore. Il va y en avoir d'autres, hein. Je sais qu'il y aura aussi un vert, un lilas. Alors, c'est joli, mais je trouve que ça fait beaucoup de couleurs. Je vous explique. Vous avez déjà la toile effet paille qui est en couleur naturelle. Vous avez les chevaux blancs, brodés blancs. D'ailleurs, j'aime beaucoup hein, ce travail de broderie, là, les petits chevaux comme ça, je trouve ça vraiment très beau. On a la métallerie or, on a voilà, le cuir de Russie qui est sur les poignets et le rebord en rose. Et le cuir de Russie pour la bandoulière qui est en couleur marine.
Là, ça fait beaucoup. C'est joli, ça passe, mais ça fait beaucoup. Moi, j'avoue que j'aurais aimé la bandoulière rose, voilà, pour qu'il y ait un peu moins de couleurs. Mais bon, à voir les prochaines combinaisons. Ensuite, nous avons un nouveau coloris pour la gamme Pliage City. C'est plutôt pas mal, ça fait un effet un peu pailleté, un peu d'eau, enfin un peu brillant. Là, c'est plutôt joli, ça s'appelle Peau. C'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons, voilà, donc la gamme Épure se dote d'un très joli rose. Et voilà, les petits Épure XS. Donc voilà, ils ont bien les anneaux comme j'avais noté. Mais je pense que même les grandes gammes maintenant auront des anneaux peut-être, hein, à confirmer. Mais j'avais vu voilà, que certains auraient des anneaux et ils viennent avec une bandoulière. Pourquoi pas, c'est mignonné. Voilà, par contre, moi, c'est la base. Là, la base, j'ai une image qui me vient à l'esprit, c'est les pots de glace Häagen-Dazs. Vous savez, les pots pour enfants, vanille fraise, là, c'est, ben, ils ont la... en bas, c'est pareil. Donc, moi, ça me fait penser à ça, là, quand je vois la photo. Mais pourquoi pas. Mais c'est bien d'ajouter une bandoulière. Donc, maintenant, le Saxo Épure. Donc, c'est de l'osier, osier cuir de Russie. Bon, alors moi honnêtement, ce style de sac, même ce style d'article, je verrais plutôt ça chez moi dans le salon avec un bouquet de fleurs séchées à l'intérieur. Voilà, c'est plutôt un objet de décoration, pour être honnête. Moi je ne me vois pas porter ça, sérieusement. C'est beaucoup trop rigide. Voilà, ça a quand même une certaine taille. Maintenant, pourquoi pas? S'il y en a qui aiment ça, je peux comprendre, mais moi, voilà. Oui, désolé pour le son, je vais essayer de filmer comme ça, j'ai un gros problème avec mon micro. Donc, on continue. Voilà, on peut voir la nouvelle couleur acajou qui sera appliquée au Boxtrot, c'est plutôt pas mal. On voit également un tout nouveau modèle Boxtrot, donc bimatière, hein, toile effet paille et cuir, avec une très jolie bandoulière. Moi, personnellement, je ne craquerai pas pour ce sac, parce que vous savez, hein, moi, tout ce qui est bimatière, je suis pas fan, fan, fan. Maintenant, il est joli. Il est très joli. À voir les prochaines déclinaisons de couleurs, parce que je pense qu'ils en feront d'autres coloris. Mais voilà, en plus le Boxtrot c'est sympa. Moi je craquerai pas parce que aussi voilà, j'ai déjà deux Boxtrot, hein, j'ai le médium et le XS qui me ravissent déjà complètement. Donc oui, je ne pense pas rajouter celui-ci. Donc on retourne sur les nouveaux trucs. Voilà, alors roseau, nouvelle couleur rose aussi, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup les bandoulières roseau. Elles sont vraiment stylées, elles sont bien. Nouvelle couleur aussi pour la gamme Pliage Green, un rose et un bleu ciel. Ça fait un peu layette, mais c'est très joli. Voilà, c'est plutôt pas mal. Pliage extra, on retourne. Donc là, deux nouveaux modèles. On a d'une part le porte-épaule S. Oui. Je pense que je consacrerai une vidéo rien que pour ce sac. Il y a matière à dire. Voilà, il est disponible en deux couleurs pour l'instant, bleu et orange. Oui, je reviendrai sur ce sac. Il m'interpelle un peu. Il m'interpelle même beaucoup, beaucoup. Donc, nous avons aussi le nouveau modèle de sac à dos pliage extra. Pareil, deux couleurs pour l'instant, donc écru et blé. C'est mignon, la taille est plutôt correcte. On n'est pas sur un mini, on n'est pas sur un très grand comme pour le foulonné ou d'autres gammes hein, comme 3D et tout. C'est mignonné, la taille est correcte, le style, ça va. C'est simple, mais c'est mignon. Voilà, ensuite... Hop, on retourne. Voilà, je vous montre un peu les différents portées. Voilà. Donc, et on termine avec, voilà, donc le porte-document, donc dans la gamme green, et voilà, le sac caméra, pardon, et le sac banane dans la nouvelle couleur blanche pour l'énergie. Voilà, donc c'était la toute première partie pour les tout nouveaux produits Longchamp pour la nouvelle saison automne-hiver.
prochaine. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses déjà qui vous ont tapé dans l'œil ou alors des choses qui, au contraire, vous déçoivent, ne vous plaisent absolument pas. N'hésitez pas à me noter en commentaire. Moi, déjà, je trouve les nouvelles couleurs sympathiques, que ce soit l'acajou, le blanc dans l'énergie. Je suis très contente qu'il y ait un nouveau XS, très contente de ces teintes de rose. Maintenant, le sac Épure XS, je ne pense pas y adhérer. Pareil que le seau en osier, j'ai des doutes. Même ça sera carrément un non, hein, en fait, pour le sac seau osier. Voilà, mais de manière générale, voilà, belle couleur. Je reviendrai sur le porté S de l'Extra. Il m'interpelle, je vous dirai pourquoi. Et voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les sacs, vous êtes à la bonne place. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos.